Pourquoi ta famille te déteste autant? Ma chérie, tu es d'abord trop belle. Tu es trop belle. Tu étais toujours première à l'école. Tu crois que ça leur plaisait? Tu crois qu'ils sont contents quand tu es première? Tu es toujours. Quand on arrive à la maison, on se la fait. Allez, venez, fais comme Jocelyne. Non, vous pouvez faire comme elle. Regardez. Elle est la première. Elle a fini de laver le sol. Elle étudie tôt. Elle se lève tôt pour étudier. Vous dormez. Là, ils sont ton macabre depuis longtemps. Depuis longtemps. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? On va voir comment elle avait sorti de première de la classe là. Comment on va voir comment elle va trouver le boulot avant nous. Te voilà, tu fais le master, tu sors, tu cherches le boulot depuis 5 ans, tu ne le trouves pas, non. N'est-ce pas? Quand on est arrivé à la maison, quand on était petit, tu étais la première à voir le copain. C'était toujours toi qu'on appréciait. Quand une femme dit, hey, tu seras la femme de mon fils. Hey, Jocelyne, tu seras la femme de mon fils. Tu crois que ça leur plaît? On va voir comment elle va se marier. On va voir comment tu vas te marier. Te voilà, 22 ans, 26 ans, 29 ans, 32 ans. Toqué, on a toqué mon porte, on est parti. Où c'est que le nounou qui a ouvert la porte, là, ils ont fui seulement. Ma chérie, tu avais trop de chance. Il dit que, mais la bonne nouvelle, c'est que la chance ne fuit pas. La chance, là, ils peuvent seulement ralentir. Certains d'entre vous, vous étiez les premiers à avoir le visa pour aller en Europe. Ils ont dit que comme tu es parti en Europe, là, ils t'ont bloqué sans savoir que c'est toi qui allais arriver en Europe et ouvrir la voie pour eux, pour qu'eux aussi y viennent. Comme ils t'ont bloqué là, tu as tapé 15 ans en Europe, c'est maintenant que tu as tes papiers. Tu as d'abord waouh comme ça là. Donc, ton énergie là est même finie. Maintenant, tu vas te ressaisir. Tu as compris? Parce qu'un choisi, c'est déjà dans tes gènes. Le premier but, c'était que tu ne saches pas que tu es choisi. Donc, je suis là pour te dire que tu es choisi. Je suis là pour te dire qu'ils ont ralenti ta lumière, mais ils ne t'ont pas vidé de ta lumière. OK? Donc, reprends-toi en main. Crois d'abord à ce qui te dit ici. Achète le sel de 5 ans. Tu m'entends? Tu mets le sel là, 3 pincées dans l'eau le matin. Tu lis le psaume 35. Tu comprends, non? Le psaume 35. Tu fais ça, tu jeûnes pendant 7 jours. Tu vas voir comment. Deux, trois petites choses vont commencer à se décanter dans ta vie. Là que tu vas confirmer que non, je suis vraiment bloqué. Et maintenant, petit à petit, tu vas te relever de là, tu vas sortir de là. Fais ça, tu me dis, j'attendrai ton commentaire pour que tu me dises comment ça s'est passé.